La neige avait été enlevée du toit et le terrain était prêt pour le match d'ouverture. Un deuxième de suite à domicile, depuis l'installation du toit rétractable. Et les deux gérants étaient prêts à entreprendre une nouvelle campagne. Tom Foley a placé les Expos en avant à l'aide d'un circuit de trois points en début de rencontre, mais les Expos allaient en avoir besoin d'un peu plus. Et le match s'est décidé en fin de neuvième manche sur un but sur balle à Tim Raines avec les buts tous occupés. Et la saison se poursuit avec cette victoire sur les Mets de New York grâce au coup de bâton du vétéran Tim Wallach et à la performance du nouveau venu Kevin Gross au monticule. Une troisième prise. Gross, un lanceur qui a toujours connu du succès au stade olympique. La foule s'élève pour applaudir Kevin Gross, le nouveau venu, sa première victoire dans l'uniforme des Expos. I like to pitch a lot of innings. I just feel like, you know, I want every team I'm on to depend on me to pitch. I take the ball every 5 days, you know, and that's what my reputation has been. Whether I have aches and pains or bumps and bruises, I'm out there and I'll battle through that. Mais Gross a connu une saison en dents de scie. Il a été malmené lors de son retour à Philadelphie. They expect a lot out of you, you know, and I expect a lot out of myself, and I think it's more of frustration, you know. I can throw a baseball from about anywhere, any position when I'm pitching. I can throw the ball hard, and I have three or four good pitches, and sometimes I just wonder how I, you know, can give up five runs or be beat sometimes when I have good stuff. Mais lorsqu'il était en possession de tous ses moyens, il était quasi imbattable. Kevin est un lanceur au talent multiple. Il a deux passions à part le baseball. Il adore ses deux passe-temps, le plein air et la peinture. Il a une idée intéressante quant à la relation de son art avec son métier sur le terrain. When I sit down with a pencil or a paintbrush, you try to think ahead what you're going to do. And the same thing in pitching. When you pitch against a team, you think ahead of what you're going to do. And then when that guy gets in the box or that situation happens, you're prepared for it. I think that you can see a little similarity there. You know, the concentration is there just the dedication to getting that one thing done. To a five-man rotation. Tim Wallach hits the ball hard. It's back. Le joueur de troisième but, Tim Wallach, est l'un des joueurs les plus convoités du circuit. Capable de frapper la longue balle, Tim devient encore plus efficace quand il utilise tout le terrain. Même s'il a eu la puissance de frapper les circuits, il ne faut surtout pas oublier son excellent gant. Owen est un autre qui s'est révélé une excellente acquisition. L'ancien des Red Sox était, disait-on, une solution temporaire à l'arrêt-court. Mais il a surpris par son coup de bâton, son aplomb défensif, sa combativité et son leadership. Si bien que les Expos lui ont offert un nouveau contrat et il compte sur lui pour l'avenir. I knew coming over here they wanted me to try to solidify the middle infield, and it was something that I knew that I could do, and I'm just very fortunate for the opportunity to come over here and play. I haven't played any different this year than I played in the past. I just feel fortunate that the Expos respect the way I perform and the way I play shortstop. And, you know, I'm very happy to be here.
Les gens qui suivent quotidiennement les activités de l'équipe ont pu apprécier les qualités de meneur de Spike Owen dans le vestiaire. Une fois l'uniforme revêtu, Spike n'a qu'une seule idée en tête. Gagner le match. Un modèle pour les jeunes joueurs. I don't mind the leadership role at all. I like it. I've always had it, so to speak, from college up with the Mariners. But this ball club is a good team, and I, you know, if that's the type of role they'd want me to take, I'd be happy to do it. Et les gens ont appris qu'il ne fallait pas niaiser avec les expos. Coup de fièvre, coup de sang dans mes veines, Naga. Make trades unless you think it's going to put you over the hump and help your ball club. Yeah, we kind of like him. That's what the best way to do it is once you make the trade. It's just out of your mind and you just carry forward with helping your ball club. La transaction clé, celle qui devait donner aux Expos le coup de main nécessaire, a été conclue le 25 mai quand Brian Holman, Randy Johnson et Gene Harris ont été cédés aux Mariners en retour de Mark Langston. Our idea was to get Mark Langston for this year. And we knew it would be a gamble to sign him for next year, but we felt that the division was such that it was wide open and that we needed a top-notch pitcher for this year. This guy's got a chance to give us a lot of innings and a lot of wins and a lot of strikeouts. He's left-handed. We don't have a left-handed starting pitcher, and that's really good for us. Et quel impact il a eu chez les Expos. D'une fiche de 500, les Expos sont passés à un dossier de 19 matchs au-dessus de 500 le 2 août. À ses 12 premières décisions, il s'est façonné un dossier de 9 gains, 3 revers, et à sa première sortie, il a retiré 10 padres sur 3 prises. I don't feel any extra pressure to go out there and try to do something that I'm not capable of doing. My main concern is to go out and try to be a consistent pitcher for him every 5 days and try to keep the team in the game and do my job, and I'm not going to worry about what happens off the field or what everybody thinks. Welcome, Ashley. All right, it's great to be here. Et le 6 juin, Langston a fait ses débuts au stade olympique. Il a rapidement pris sa place au palmarès des spécialistes des retraits au bâton. Talking about him now, him now, him now. I go one day. Jagamofino, anane, Jagamofinane, Jagamofinane. Avec l'addition de Langston, les Expos avaient réuni un personnel de partant ayant le potentiel de réduire au silence des bâtons de l'adversaire. Sure, I'm involved, but I'm not the one doing the damage. You tell them if they can't take our heat, stay out of the ballpark. Yo sé lo que está pasando, pero no puedo hablar. Et Dennis Martinez a préféré laisser parler ses performances sur le terrain. Bien servi par un répertoire varié, Dennis a imposé son rythme au monticule. Martinez a réédité son sommet personnel au chapitre des victoires et il a mené les Expos pour les départs et les manches lancées. Personne n'a intimidé Dennis Martinez, l'as lanceur des Expos. Et ça y est, un jeu blanc de 2-0 pour Dennis Martinez face aux Cards de Saint-Louis. Chez les releveurs, Tim Burke s'est imposé. Solide compétiteur, Burke a réalisé un sommet avec 28 sauvetages. Auteur d'un dossier de 9 gains et 3 revers, il domine maintenant l'équipe avec une moyenne de réussite de 661.
À sa deuxième saison comme spécialiste de la courte relève, Tim est devenu philosophe. I've learned that a new day is a new day, and I've got a chance to help the team where I messed up last night. Okay, tonight I'm going to go out there and do my best and not worry about last night. That doesn't do me any good. Surpris, mais pas intimidé, Tim a participé à son premier match des étoiles. Après deux solides manches, il s'est envolé vers le Guatemala pour y aller chercher son fils adoptif. Son épouse Christine l'avait précédé là-bas afin de finaliser l'adoption de leur deuxième enfant, un orphelin nommé Ryan Richard. You're my son. Ryan est venu rejoindre sa sœur Stéphanie, Irène, une petite Coréenne, aussi adoptée par les Burke. When I got to the orphanage, we were still on, we were kind of still on his territory, and he was still attached to the workers there. And instantly, when we left and it was just us, I started feeling that fatherly feeling, and I really got choked up, and I realized that, yeah, he's ours. Après la pause du match des étoiles, Burke, qui a commencé la journée au Guatemala, devait compléter cette journée au monticule du Riverfront Stadium à Cincinnati. Et Tim devait préserver la victoire de Dennis Martinez. Unbelievable. I don't even have words to describe this. With all the things that have been going on this last week, I've been on the go nonstop. Just amazing emotions. Way to complete a good day. Okay, carry me home. L'histoire de Tim Burke et de sa famille fut en quelque sorte un moment de sérénité dans une saison fort orageuse. The surroundings where he came from to where he is now is just a, you know, just a tremendous difference. But he's feeling right at home. He loves his mom and dad and sister, and we certainly love him to pieces, and it's just been a joy. Il y avait un autre Martinez chez les Expos. Dave, celui-là, un voltigeur âgé de 24 ans, originaire de New York, qui après deux saisons a retrouvé ses moyens en attaque. Un coup de bâton puissant à l'occasion et très efficace en défensive. Martinez est en course, il plonge et saisit la balle. He's one of those players that's got a lot of ability. This guy who can play center field, got a good arm, can go get the ball. Swings the bat well, and he hit 292 as a rookie his first year, so we figure that we liked all that ability. He has saved a run. Plusieurs exploits en défensive, mais il n'était pas tout seul. L'habilité défensive d'Andrés Galarraga a enfin été reconnue, alors qu'il a mérité son premier gant d'or. Le gros chat, toujours aussi agile, au premier coussin. Au bâton, il est toujours l'un des frappeurs les plus redoutés de la Ligue nationale. Il a frappé des balles à des distances prodigieuses, même un grand chelem contre le vent à San Francisco. The wind's coming in,
you know, I think it's a tough day to hit a home run, and I go to the home plate, try to make a good contact, and the ball's going, and I'm really happy because that's my first one, and it really surprised me because I don't think the ball's going. Au cours de la dernière décennie, les receveurs des Expos ont connu leur part de difficultés. Mais l'an dernier, les coureurs ont appris à les respecter. Nelson Santovania a mis fin à la séquence de succès de Vince Coleman. En plus de son bras puissant, Nelson possède aussi un coup de bâton solide et opportun. Lors d'un scrutin de mi-saison, les gérants lui ont accordé le troisième rang parmi les meilleurs receveurs du circuit. Chose certaine, Rex Hudler ne s'est pas fait d'amis parmi les autres clubs de la Ligue. Sa glissade aux dépens de Mike Lavalière a été fort coûteuse pour les Pirates. I love my teammates. I don't play baseball to make friends on the other team or with the other team. I've never been that kind of player, but I have 23 friends on my team and I love to pump them up and I like to be positive. Agressif comme un joueur de football, Rex a presque tout fait sur un terrain, sauf agir comme receveur. Et si un jour Buck Rogers lui demandait de revêtir l'équipement du receveur, so you bet I can. Put that gear on me and let's go. And I might spit on the ground too. Pour connaître le succès, une équipe a besoin de plus de 8 réguliers et 10 lanceurs. Elle a besoin de bons réservistes. Et le leader de ce groupe chez les Expos, c'est Wallace Johnson. Et le 9 mai à l'Astrodome, face à Mike Scott, Wallace a claqué son premier circuit depuis 1987. Those guys who start every day, they're not going to win 162 games for you. And the main thing for any team in contention is to have a strong bench. And if you get guys who can help pick you off the bench, then you're going to have a winning team. De réserviste qu'il était, Tom Foley a mérité un poste régulier au deuxième but. L'un des meilleurs deuxième buts défensifs de la Ligue, Foley s'est imposé jusqu'à ce qu'un roulant capricieux ne lui fracture l'index de la main droite. Une blessure étrange, mais sûrement pas le seul fait étrange de la saison. Un match de 22 manches que les Dodgers ont gagné 1-0. Youpi qui a été chassé. Eddie Murray, frustré. Tommy Lasorda, irrité. Eddie Murray, frustré encore. Autour de Galarraga. Et le coup décisif de Rick Dempsey, sans oublier deux délais de pluie alors que le toit avait été levé. Vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. Mais elle a dû démissionner à cause de toutes ces filles qui viennent se traîner à mes pieds. Je pourrais m'en trouver une autre, mais je ferais de la peine à des centaines. Je m'en fous, je ne veux pas m'ennuyer. Car j'aime beaucoup me parler. Oh Dieu, que c'est dur d'être humble. Quand t'es parfait. Quand t'es parfait de toutes les façons. Chaque matin, je fais quoi? Chaque matin, je me regarde dans la glace. Oh, ce que je peux être. Oh, ce que je peux être, beau garçon. Me connaître, c'est quoi? Me connaître. Dois être tout un. Dois être tout un amoureux. Mon Dieu! Mon Dieu! Que c'est dur d'être humble. Mais je vous jure que je fais tout ce que je peux. Pour connaître le succès, une équipe doit être en mesure de puiser dans ses clubs-écoles. L'inexpérience va coûter des erreurs, mais des jeunes joueurs comme Jeff Houston représentent l'avenir de l'organisation. Qu'il soit à l'origine d'un triple jeu ou d'une poussée décisive, Houston manifeste toujours le même enthousiasme. Un autre espoir des Expos, c'est le jeune voltigeur Marquise Grissom. Il allie puissance et rapidité. Malgré une absence d'un an, le Canadien Larry Walker est toujours dans les plans de l'équipe à cause de sa puissance et de sa défensive.
Les Indiens d'Indianapolis ont remporté un cinquième championnat en six saisons et continuent d'alimenter les Expos. Tom Reynolds, le gérant des Indiens l'an dernier, sera instructeur au troisième but avec les Expos cette année. It was an awfully fun season. It was tough going in, knowing that we had a chance to make history and win four consecutive championships in a row, but the kids responded real well. Ayant perdu 60% de ses lanceurs partants sur le marché des joueurs autonomes, les Expos ont cherché du renfort au monticule lorsqu'ils ont embauché l'exubérant Dennis Oil Can Boyd, l'ancien des Red Sox de Boston. In Boston for like 8 years or so, and it was time to go play somewhere else. It's basically what it came down to, and the decision wasn't very hard to make at all when the type of offer that I was made, plus telling me that we really want you in Montreal, and that's basically all I needed to hear. Oui, on a raison de célébrer, d'être optimiste. Qu'on se rappelle le championnat de division en 1981 et les autres bonnes saisons. Les Expos ont compilé le troisième meilleur dossier de la Ligue nationale au cours de la dernière décennie et ils ont bâti un réseau de filiales qui fait l'envie du baseball majeur. La fin d'une décennie. Place aux années 90. L'édition 1989 des Expos de Montréal. Une présentation de la brasserie Labatt, la grande brasserie canadienne.